Comment écrire un nombre proche de 0 avec la notation scientifique? Pour cela, nous allons utiliser des puissances d'exposants négatifs. Voici des objets possédant de petites tailles. 1 mètre, c'est la taille de la règle du professeur au tableau. 1000 fois plus petit, on trouve la puce, 1 mm. Encore 1000 fois plus petit, on trouve une cellule qui est de la taille environ 1 millionième de mètre. Et encore 1000 fois plus petit, la taille d'une molécule d'un milliardième de mètre. C'est une photo de globules rouges du sang prise au microscope électronique. Leur taille est d'environ 8 millièmes de mètre. Regardons ces nombres. 0,00000049, autrement dit 49 milliardièmes de mètre, 0,000051. Je vous laisse lire le quatrième nombre ainsi que le cinquième. Il y a plein de chiffres après la virgule. Plus le chiffre est à droite, plus il indique une position petite. D'ailleurs, lequel de ces deux nombres est le plus petit? Attention, c'est un piège. Le plus petit, c'est lui. Alors que si on réfléchit rapidement, on se dit qu'il y a moins de chiffres après la virgule, donc il est plus grand. En fait, ici, on a le 5 qui est à la sixième position, c'est-à-dire 5 millionième. Ici, on a à la sixième position 0, mais avançant, donc 100 millionième. Donc ce nombre-là est bien plus grand que celui-ci. Donc ces nombres sont assez difficiles à lire, il y a des pièges. Ils sont longs à écrire, puisqu'il y a plein de chiffres après la virgule. Et si jamais on doit faire des calculs, ceci devient très compliqué. Imaginez qu'on les multiplie. Un nombre à 9 chiffres après la virgule fois un nombre à 5 chiffres après la virgule, on aura un résultat avec un nombre à 14 chiffres après la virgule. Or, ces nombres sont très souvent utilisés par les scientifiques. Ils ont donc trouvé une astuce pour les écrire plus vite. Alors, comment simplifier cette écriture? Prenons un exemple. Ce nombre 0,000000049, autrement dit 0 suivi de 7 0 et puis 49, on peut l'arrondir à... Oui. 0,000000050. Bon, si on le lit, ça fait... Dixième, centième, millième, dix millième, cent millième, millionième, dix millionième, cent millionième, milliardième. Autrement dit, 50 milliardième. On sait que c'est 50 fois un milliardième. Et un milliardième, on a vu que c'était 10 exposant moins 9. Cette écriture, même si elle reste un petit peu compliquée, est beaucoup plus rapide que celle de départ. Déjà parce qu'il y a moins de nombres à écrire. Et ensuite, on verra des astuces qui nous permettent de calculer beaucoup plus vite avec des puissances qu'avec des nombres décimaux. Donc cette écriture est plus rapide à écrire, mais elle a des défauts. On n'a pas l'habitude, donc il faudra s'habituer. La méthode pour la trouver est un petit peu compliquée. Et puis, c'est un ordre de grandeur, on n'a pas encore la valeur exacte. Pour cela, regardez la vidéo suivante.